Le mot grec didaké signifie enseignement. La didaké fut écrite en langue grecque vers la fin du 1er siècle ou au début, voire au milieu, du 8e siècle. La deuxième génération chrétienne la lisait, avec les lettres des envoyés, en assemblée. Les pères de l'Église l'ont très fréquemment citée. Après avoir disparu pendant des siècles, on l'a retrouvée dans la seconde moitié du 19e siècle. La didaké est le premier document du christianisme primitif non admis dans la Bible, bien que presque contemporain des livres qui composent le Nouveau Testament. On y découvre déjà un éloignement de l'esprit du Seigneur, la première génération passée, la deuxième suit sans avoir ruminé ni digéré le message de la bonne nouvelle. La troisième génération pratiquera sans connaître la raison de ce qu'elle fait, ce sera le début de la religion chrétienne et la fin du règne de l'esprit dans l'Église visible. Heureusement, une Église invisible, un reste, un petit troupeau qui suit son berger, subsiste, cette Église a toujours existé, des Abel, jusqu'à nos jours, elle est constituée de ceux qui ont été appelés hors du système du monde, eux qu'Ecclésia égale appelés hors d'eux. Remarque importante. Le texte à disposition de nos jours date de 1000 ans, c'est pourquoi on peut y trouver des anachronismes dus à des rajouts par rapport à l'original. Mais du moment que c'est ce texte qui est lu aujourd'hui, il est important d'en relever les enseignements qui divergent de ceux de la Bible, d'autant plus que les anachronismes sont difficiles à identifier de manière certaine. Deux chemins sont tracés, chemin de vie, chemin de mort, mais il y a un fossé entre les deux. Deux chemins de vie, avant tout, tu aimeras le Dieu qui t'a créé et tu aimeras ton prochain comme toi-même et tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à ton prochain. Trois enseignements renfermés dans ces paroles, dis du bien de ceux qui disent du mal de toi, prie pour ceux qui ne t'aiment pas, jeûne pour ceux qui t'oppressent. 4. Car quel est ton mérite, si tu aimes seulement ceux qui t'aiment? Les nations ne le font-elles pas aussi? 5. Toi, aime ceux qui ne t'aiment pas, et tu n'auras plus personne qui ne t'aime pas. 6. Éloigne-toi des passions de la chair et du monde. 7. Si quelqu'un te donne un coup sur la joue droite, présente-lui l'autre et tu seras en plénitude. 8. Si quelqu'un te demande de faire un mille, fais en deux avec lui. Si quelqu'un t'enlève ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Si quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le redemande pas, car tu ne le peux. 9. À quiconque te demande, donne et ne redemande pas, car avec tout le Père veut partager ses propres bienfaits. 10. Heureux celui qui donne selon le commandement, car il est sans reproche. Malheur à celui qui reçoit. Cependant, si quelqu'un reçoit parce qu'il est dans le besoin, il sera sans reproche. 11. Mais, s'il n'est pas dans le besoin, il rendra compte de ce qu'il a reçu, et dans quel but jeté en prison, il sera examiné sur ce qu'il a fait et il ne sera pas relâché jusqu'à ce qu'il ait restitué le dernier quadrant. 12. À ce sujet, il a été dit, que ton aumône transpire dans tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. 1. Mon enfant, fuis loin de tout mal et de tout ce qui lui ressemble. 2. Ne sois pas colère, car la colère conduit au meurtre, ni jaloux, ni querelleur, ni emporté, car de tout cela naissent les meurtres. 3. Mon enfant, ne sois pas convoiteux, car la convoitise conduit à l'impudicité, ne tient pas de propos obscènes et n'aie pas le regard hardi, car de tout cela naissent les adultères. 4. Mon enfant, ne sois pas augure, parce que cela conduit à l'idolâtrie, ni enchanteur ni astrologue, et ne purifie pas par l'externe, ne désire pas même regarder ces choses, car de tout cela naît l'idolâtrie. 5. Mon enfant, ne sois pas menteur, parce que le mensonge conduit au vol, ni avare ni vaniteux, car de tout cela naissent les vols. 6. Mon enfant, ne sois pas murmurateur, parce que cela conduit au blasphème, ne sois pas arrogant ni malveillant, car de tout cela naissent les blasphèmes, mais sois doux, puisque les doux recevront la terre en héritage. 7. Sois longanime, miséricordieux, sans méchanceté, paisible, bon, garde toujours en tremblant les paroles que tu as entendues. 8. Tu ne t'élèveras pas toi-même et tu ne livreras pas ton cœur à la présomption. 9. Ton âme ne s'attachera pas aux orgueilleux, mais se plaira avec les justes et les humbles. 10. Accueille comme des bienfaits les choses extraordinaires qui t'arrivent, sachant que rien ne se produit en dehors de Dieu. 1. Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui qui t'annonce la parole de Dieu, tu l'honoreras comme le Seigneur, car là d'où est annoncée la parole du Seigneur, là est le Seigneur, tu rechercheras chaque jour la compagnie des saints, afin de te trouver un appui dans leur parole. 2. Tu ne désireras pas la division, mais tu apaiseras ceux qui se disputent, tu jugeras avec droiture, tu ne feras pas exception de personne quand il s'agira de convaincre quelqu'un de transgression, tu n'auras pas le cœur partagé entre les suites de tes décisions. 3. N'aie pas les mains tendues pour recevoir et fermées pour donner, si tu as des moyens, tu donneras de tes mains le rachat de tes péchés. 4. Tu n'hésiteras pas à donner et tu ne murmureras pas en donnant, car tu connaîtras quel est le bon rémunérateur qui te récompensera. 5. Tu ne te détourneras pas de celui qui est dans le besoin, mais tu auras tout en commun avec ton frère et tu ne diras pas que cela t'appartient en propre. En effet, si vous participez en commun à ce qui est immortel, combien plus aux choses périssables. 6. Ne retire pas ta main de dessus ton fils ou de dessus ta fille, mais dès la jeunesse enseigne-leur la crainte de Dieu. 7. Ne donne pas tes ordres avec aigreur à ton esclave ou à ta servante qui espère dans le même Dieu, de peur qu'il ne cesse de craindre le Dieu qui règne sur toi comme sur eux, car il ne vient pas appeler les hommes selon l'apparence, mais ceux que l'Esprit a rendus prêts. 8. Quant à vous, serviteurs, vous serez soumis à vos maîtres avec respect et crainte comme à l'image de Dieu. 9. Tu haïras toute hypocrisie et tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur, tu n'abandonneras pas les commandements du Seigneur, mais tu garderas ce que tu as reçu sans y rien ajouter ni en rien retrancher. 10. Devant l'assemblée, tu confesseras tes transgressions et tu ne viendras pas à la prière avec une mauvaise conscience, tel est le chemin de la vie. 1. Chemin de mort, avant tout, il est mauvais et plein de malédictions, meurtre, adultère, convoitise, impudicité, vol, idolâtrie, pratique magique, bénéfice, rapine, faux témoignage, hypocrisie, mauvaise foi, ruse, orgueil, méchanceté, arrogance, cupidité, langage obscène, jalousie, présomption, dédain, forfanterie. 2. Persécuteurs des bons, gens haïssant la vérité, aimant le mensonge, ne connaissant pas la récompense de la justice, qui ne s'attachent pas au bien ni au jugement juste, qui veillent non pour le bien mais pour le mal.
3 qui sont loin de la bonté et de la patience, qui aiment les vanités, qui courent après la rétribution, qui n'ont pas pitié du pauvre, qui n'ont pas compassion de l'être accablé, ceux qui ne connaissent pas celui qui les a créés, les meurtriers d'enfants, les corrupteurs de l'œuvre de Dieu, ceux qui se détournent de celui qui est dans le besoin, qui accablent celui qui est dans l'oppression, les avocats des riches, les juges iniques des pauvres, coupables de tous les péchés, enfants, fuyez. Tous ces gens-là. 1. Veille à ce que personne ne te détourne du chemin de cet enseignement, car il t'enseignerait ce qui est en dehors de Dieu. Si donc tu peux porter le joug du Seigneur tout entier, tu seras parfait, mais, si tu ne le peux pas, fais ce que tu peux. 2. Quant aux aliments, porte ce que tu pourras, mais abstiens-toi strictement de ce qui a été sacrifié aux idoles, car c'est un culte rendu à des dieux morts. 1. Quant au baptême, baptisez ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive. 2. Mais, si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau si tu ne peux pas dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude si tu n'as ni l'une ni l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3. Avant le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit se prépare par le jeûne, si d'autres personnes le peuvent qu'elles fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner un ou deux jours auparavant. 1. Que vos jeûnes ne soient pas en même temps que ceux des hypocrites, car ils jeûnent le deuxième et le cinquième jour de la semaine, mais vous, jeûnez le quatrième et le jour de la préparation au sabbat. 2. Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile. Priez ainsi. 3. Notre Père qui es au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne arrive. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et remets-nous notre dette comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas dans la tentation. Mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. 4. Priez ainsi 3 fois par jour. 1. Quant à l'Eucharistie, faites ainsi vos actions de grâce d'abord pour la coupe. 2. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David ton serviteur que tu nous as fait connaître par Jésus ton enfant, à toi la gloire pour les siècles. 3. Pour la fraction du pain, nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélée par Jésus ton enfant, à toi la gloire pour les siècles. 4. De même que ce pain rompu était dispersé sur les collines et que, rassemblé, il est devenu un, qu'ainsi soit rassemblée ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi sont la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. 5. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Après vous être rassasiés, rendez grâce ainsi, nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs et pour la connaissance et la foi et l'immortalité que tu nous as révélée par Jésus ton enfant, à toi la gloire pour les siècles. 2. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé toutes choses à cause de ton nom, qui a donné la nourriture et le breuvage aux hommes pour qu'ils en jouissent, afin qu'ils te rendent grâce, mais à nous tu as daigné accorder une nourriture et un breuvage spirituel et la vie éternelle par ton enfant. Avant toutes choses nous te rendons grâce parce que tu es puissant, à toi la gloire pour les siècles. 3. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, pour la délivrer de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour, et rassemble-la des quatre vents, elle que tu as sanctifiée, dans ton royaume que tu lui as préparé, car à toi sont la puissance et la gloire pour les siècles. 4. Que la grâce arrive et que ce monde passe. Rosaine au fils de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne, s'il ne l'est pas, qu'il se tourne vers Dieu, mais renaisse. Amen. 1. Si donc quelqu'un vient et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le seulement. Si cet enseignant se dévoie et vous donne un autre enseignement de manière à renverser celui que vous avez reçu, ne l'écoutez pas. D'autre part, s'il enseigne de manière à confirmer la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. 2. Quant aux envoyés et aux prophètes, agissez ainsi, selon le précepte de l'Évangile, que tout envoyé venant à vous soit reçu comme le Seigneur, mais il ne restera qu'un jour. 2. S'il est besoin, s'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. En partant, que l'envoyé ne prenne rien, sinon le pain suffisant pour atteindre l'endroit où il passera la nuit. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. 3. Tout prophète qui parle en esprit, ne le mettez pas à l'épreuve et ne le jugez pas, car tout péché sera remis, mais ce péché-là ne sera pas remis. 4. Cependant tout homme qui parle en esprit n'est pas prophète, à moins qu'il n'ait les manières d'être du Seigneur. C'est donc à leur conduite qu'on reconnaîtra le faux prophète et le vrai. 5. Et aucun prophète qui dit en esprit de dresser la table n'en doit manger. S'il en mange, c'est un faux prophète. Tout prophète qui enseigne la vérité, s'il ne fait pas ce qu'il enseigne, est un faux prophète. 6. Tout prophète éprouvé, véridique, agissant en vue du mystère terrestre de l'Église, mais n'enseignant pas aux autres à faire tout ce qu'il fait lui-même, ne sera pas jugé parmi vous, car c'est à Dieu qu'il appartient de le juger. Les anciens prophètes ont également fait des choses semblables. 7. Mais si quelqu'un vous dit, parlant en esprit, donne-moi de l'argent ou autre chose, ne l'écoutez pas cependant, si c'est pour d'autres personnes qui sont dans l'indigence qu'il a dit de donner, que personne ne le juge. Que quiconque vient au nom du Seigneur soit reçu, puis, après l'avoir mis à l'épreuve, vous le connaîtrez, car vous aurez l'intelligence de la droite et de la gauche. 2. S'il arrivant est de passage, aidez-le autant que vous pouvez, mais il ne restera chez vous que 2 ou 3 jours, s'il y a nécessité. 3. S'il veut, ayant un métier, se fixer parmi vous, qu'il travaille et qu'il mange. S'il n'a pas de métier, veillez selon votre intelligence à ce qu'un chrétien ne vive pas parmi vous sans rien faire. 4. Mais, s'il ne veut pas agir ainsi, c'est un trafiquant du Christ. Tenez-vous en garde contre de tels gens. 1. Tout prophète véridique qui veut se fixer parmi vous est digne de sa nourriture, de même un enseignant véridique est digne, lui aussi, comme l'ouvrier, de sa nourriture. 2. Tu prendras donc toutes les prémices de ton pressoir et de ton aire, de tes buffes et de tes brebis pour les donner aux prophètes, car ce sont eux qui sont vos grands prêtres. Mais, si vous n'avez pas de prophètes, donnez-les aux pauvres. Si tu fais un pain, prends-en les prémices et donne-les selon le commandement. 3. De même, si tu ouvres une amphore de vin ou d'huile, prends-en les prémices et donne-les aux prophètes. De l'argent aussi et du vêtement et de tous les biens, prends les prémices comme bon te semblera et donne-les selon le commandement.
Chaque dimanche, vous étant assemblés, rompez le pain et rendez grâce, après vous être mutuellement confessé vos transgressions, afin que votre sacrifice soit pur. De même que quiconque a un dissentiment avec son prochain ne se joigne pas à vous jusqu'à ce qu'il se soit réconcilié, afin que votre sacrifice ne soit pas profané car voici celui dont a parlé le Seigneur. 3. En tout temps et en tout lieu on me présentera une offrande pure, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est admirable parmi les nations, Malachie. 1. Élisez-vous donc des évêques et des diacres dignes du Seigneur, hommes doux et désintéressés, véridiques et éprouvés, car pour vous ils remplissent, eux aussi, l'office de prophètes et d'enseignants. 2. Ne les méprisez donc pas, car ils doivent être honorés parmi vous en communauté, avec les prophètes et les enseignants. 3. Reprenez-vous les uns les autres, non pas en colère mais en paix, comme vous en avez l'ordre dans l'Évangile, et celui qui manque à son prochain, que nul d'entre vous ne lui parle ni ne l'écoute jusqu'à ce qu'il ait changé de comportement. 4. Mais vos prières et vos aumônes et toutes vos actions, faites-les comme vous en avez l'ordre dans l'Évangile de notre Seigneur. Veillez sur votre vie que vos lampes ne s'éteignent pas et que vos reins ne se dessaignent pas, mais soyez prêts, car vous ne savez pas l'heure où notre Seigneur viendra. 2. Réunissez-vous fréquemment, cherchant ce qui convient à vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien si au dernier moment vous n'êtes pas devenu parfait. 3. Car dans les derniers jours les faux prophètes et les corrupteurs se multiplieront, les brebis se changeront en loups et l'amour se changera en haine car, l'iniquité ayant augmenté les hommes se haïront les uns les autres et se persécuteront et se trahiront. 4. Alors paraîtra le séducteur du monde se donnant comme fils de Dieu et il fera des signes et des prodiges et la terre sera livrée entre ses mains et il commettra des forfaits tels qu'il n'y en a point eu depuis l'origine des temps. 5. Alors toute la création humaine entrera dans le feu de l'épreuve et beaucoup succomberont et périront mais ceux qui auront persévéré dans leur foi seront sauvés de cet anathème. 6. Et alors paraîtront les signes de la vérité d'abord le signe de l'ouverture du ciel, puis le signe du son de la trompette et troisièmement la résurrection des morts, non de tous, il est vrai, mais comme il est dit, le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. 7. Alors le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel.